California Chrome, le vainqueur du Kentucky Derby 2014, a grandi entre une aire d'autoroute géante et une plantation de coton, dans une plaine de 20 000 hectares arides de la Californie, un état totalement méprisé en termes d'élevage au profit du Kentucky. Lui qui n'est que le troisième vainqueur californien en 140 ans de Kentucky Derby, il est né à Harris Ranch, le plus grand haras, avec 600 chevaux, de cet état entre Los Angeles et San Francisco. Et son père, Lucky Pulpit, y fait la monte. Fin 2012, France Cyr y était en reportage. L'étalon, bien que très peu cher, était déjà porteur de grands espoirs. Lucky Pulpit a saillé environ 140 juments en 2011. Et cette année 2012, une centaine sont pleines. Il fait la monte à 2 500 $ seulement, mais c'est un super... Vraiment un super cheval. Et tous ses produits courts. C'est une bombe. Fils de Pulpit, un champion, Lucky Pulpit ne fut en revanche pas une grande vedette en course. Seulement gagnant de stakes et placé une fois de groupe 2. Mais il transmet un talent spectaculaire. Alors qu'il n'a jamais essayé de princesse, il affiche depuis ses débuts des statistiques fracassantes qui dépassent les 80% de gagnants par partant. Fin 2012, Lucky Pulpit avait déjà annoncé la couleur, 2 ans avant l'envolée dans le Kentucky Derby de son fils California Chrome, qui lui ressemble d'ailleurs tellement que petit, il était surnommé Junior.